Alors, ayant parlé, mais en plus de ça, et en logique avec cela, il y a 9 de nos militaires viennent d'être arrêtés au Mali. Il y en a qui ne voient pas clair et qui ne savent pas lire. Parce que dès qu'ils ont été arrêtés, notre parti, le PPACI, a pondu un communiqué dans lequel il demandait, entre autres, que l'Assemblée nationale fasse une enquête sur l'arrestation des 49 militaires ivoiriens au Mali. Pour qu'on sache la vérité. L'Assemblée nationale n'a jamais fait d'enquête. Or, pour que le peuple puisse se prononcer sur une affaire, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants de cette affaire. Donc, il faut qu'on sache d'abord si c'est des militaires. Qu'on sache si ce sont des militaires ivoiriens. Et qu'on sache ce qu'ils faisaient au Mali. Bon. Étant entendu qu'un militaire obéit à des ordres, comme je l'ai dit tantôt, s'ils sont partis obéir à un ordre, il faut que cette enquête nous révèle quel est cet ordre et pourquoi on les a arrêtés. Alors, des gens nous disent, non, ce n'est pas la première fois que les militaires vont là-bas, mais c'est la huitième fois. Mais c'est la huitième fois, pourquoi c'est la première fois qu'on les arrête? Si c'est la huitième fois qu'ils vont là-bas, pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'on les arrête? Donc, notre rôle est de chercher à débusquer toujours la vérité. Une fois qu'on sait la vérité, on peut prendre des décisions, on peut mener la réflexion. Sur ce point, je demande que les autorités maliennes tiennent compte plus de celui qui les a envoyés que de ceux qui ont été envoyés. Parce que ce sont des militaires. Parce que ce sont des militaires. Et moi, j'ai été chef d'État, je sais comment l'armée fonctionne, je sais comment les militaires fonctionnent. Il y a quelqu'un à qui j'ai confié l'étude des problèmes militaires. J'ai dit, mais je ne connais rien, mais il faut apprendre. Pour apprendre. Voilà. Donc, je demande qu'on nous permette
aussi à nous qui sommes dans l'opposition. Je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour discuter en public, en cachette, tout. Parce que c'est comme ça que les choses se passent. En public et en cachette. Je suis sûr que le gouvernement fait tous ses efforts pour obtenir leur libération. Mais s'il ne réussit pas, je souhaite qu'on nous autorise, nous aussi, à discuter de ces questions-là avec les réseaux que nous avons au Mali, dont certains sont aux affaires, pour que on puisse chercher à ramener nos compatriotes au pays. Parce qu'il faut qu'on ramène nos compatriotes.